Et coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Ancestors. On va poursuivre notre aventure. Alors, on est avec Gauge, on a passé quelques générations, on avait des petits je crois, je sais pas où ils sont passés. Oh! Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a le retour des facochères. Et oui, forcément, on passe une génération, donc... Bon, ils se sont éloignés. Il va falloir qu'on fasse attention. Alors, est-ce qu'on n'a pas un caillou? Ceci, ok, je vais poser... Hop, ça. On va prendre. Feuille comme ça. Switch de main. Et on va altérer. On va déjà commencer par ça. Voilà, pour se protéger. Parce que de toute façon, vu comme il pleut, on va avoir besoin. Hop. De se protéger contre le froid. On va faire un peu de cicatrisant. Enfin, de pâte cicatrisante. Ok. On va l'appliquer. Ah, je vois un petit derrière moi. Ça, c'est bien. On va pouvoir, hop là, attraper. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire. Petit, petit. Allez, on en a deux. Parfait. Je vais lâcher l'objet que j'ai en main. Reprendre mon gourdin. Et où est-ce qu'on va pouvoir partir aujourd'hui? On va peut-être pouvoir partir attaquer. Voilà. Une attaque. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Il est où? Voilà. Je vais récupérer mon gourdin. Il est où? Hop. Saute mouton, saute cochon. Allez. Je vais l'attaquer tant qu'il est blessé. Allez. C'est bon. Je voudrais juste pouvoir activer l'option de ne plus perdre mon arme. Ça me paraît assez essentiel. Il est où? Il est où? Ça y est? Non, ça y est pas. Ok. Pas grave. Se soigner un petit peu. Alors, où est-ce qu'il est, mon cochon? Ok. Pas très loin. Zut, parce que je l'ai bien blessé. Oula! Est-ce que je peux l'attaquer avec mon gourdin? Oui. Ok. Oh! C'est pas ce que je voulais faire, je voulais tuer le python ou l'anaconda, je ne sais pas.
Il est où? Peut l'attaquer? Peut l'attaquer ou pas? Voilà, très bien. Je voudrais même le tuer si possible. Oh, j'ai perdu mon arme. Ok. Oh! J'ai réussi à le tuer? Non. Non, j'ai pas réussi à le tuer. Prends des pierres. Ok. Découvre pas mal de choses. Chut. M'a un peu surpris. Je vais aller me soigner avant. Oula. Bon, lui il est de retour. Ok, ça soigne pas les blessures. Il faudrait. J'en ai plus. Il faudrait du j'en ai plus. Alors. Où est-ce qu'on va trouver ça? Hop, par là. Apparemment, il y a quelque chose dans le coin. Parfait. Ah, bah voilà, on a chopé aussi l'escargot. Ça nous protéger un petit peu contre le poison. Alors, on avait dans le coin là qui nous faisait peur un peu. Ok, on a un bâton. Alors, je croyais qu'on avait un truc coupant. Ah oui, ok, c'est juste. Pas pris la bonne pierre. Ok, super. Pas grave. Alors, hop, tu attrapes ça. Tu attrapes ça. On va partir à la chasse. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un boa. On va essayer de le tuer ce boa quand même. On va quand même réussir à le finir. Et où mon bâton? J'ai perdu mon bâton.
Allez, encore. Bonne mature, attaquer. Très bien, allez. Faut que j'aille me nourrir. Pas assez de dopamine. Ah, les attaques, ça devient un peu compliqué. Oh, c'est déjà le soir. Ok. Range un peu et la dopamine est remontée. Très bien. Bon. C'est le soir. On va aller se coucher. Alors, on va voir si on peut activer. Hop là, ce neurone. Contre-manœuvre. Après connexion, la vitesse de préparation pour attaquer est améliorée. Oh, ça c'est cool. Très bien. Et ici, défense groupée. Ah, ça c'est bien. La tolérance aux attaques successives est renforcée. Ah oui, alors ça il me le faut. Ah, et j'ai pas assez de... Bon, tant pis, on va faire dodo. Alors je sais plus s'ils peuvent faire comme moi pour altérer les objets. On va regarder ça. Ok, il va nous falloir de l'eau. Alors, est-ce que j'ai appris ça? Ça, c'est quoi? Non. Ok. Altération, elle est peut-être ici. Non. Ok, d'accord, c'est ici. Très bien. Bon, bah écoutez. Déjà, on peut attaquer plus vite. On va essayer de prendre un silex. Silex taillé. Hop. Y a un cochon pas très loin. Y a un cochon pas très loin. Tiens. Prends ça. Rester vigilant. Zut, j'ai tapé trop fort. Après, est-ce qu'on peut, avec juste une pierre... Ça. On va continuer de se battre, on défend un petit peu. Oula, esquive, double esquive latérale. Ok, très bien.
Faudrait récupérer mon gourdin. Nouvelle action découverte. On peut taper avec du granit. Ok. Neurone mature, très bien. Esquiver. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la folie. Tout est bloqué. Je suis bloqué. Pourtant, le temps passe. Je peux rien faire. Bon. Allez. Dégage de là. Ok, nickel. Super. Il est parti, il va revenir, on ne sait pas. Il y a un boa ici, encore, et de retour. Elle est où la tête-tête? Elle est là. On va essayer d'esquiver. Ok. On n'a pas beaucoup joué sur l'esquive. Très bien. Maître de l'évasion. Oh! Allez, on va se dépêcher. On va aller se rétablir. Ok, hystérie. Il est revenu. Très bien, on était à proximité déjà, donc ça va. On va prendre ceci. On va prendre ceci. Ça va aider pour les os. Parfait. Et on va aller chercher une herbe spéciale. Décidément, c'est pas la journée. Hein. Il y en a un qui est en train de se faire attaquer. Je ne sais pas où, je ne sais pas par qui. C'est peut-être moi en fait qui suis en train de saigner. Comme un goré. D'ailleurs le goré, on va aller le chercher. Je vais essayer de faire des lances plutôt pour tuer les animaux. Ça avait l'air de mieux fonctionner. Déjà ça. Oula! Ok. On a découvert avec le bâton. Faut qu'il se barre là. Il se barre de là. On va se faire d'autres bâtons. On prend une pierre dans la main. Oh là là, regardez! Allez! Ah mais on peut pas le tuer ce truc! C'est fou! Zut, là je me suis planté. Et en plus, il m'a fait mal. Saloperie. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Attaquer avec une branche morte. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas, faut qu'on aille le rechercher.
Il a l'air d'être blessé. Ça m'a pris vraiment par surprise. J'étais en train de préparer 2-3 trucs là. Allez, viens là. Viens là, viens là, viens là. Allez, arrête de bouger. Oh, punaise. C'est pénible. Ok. Voilà, parfait. Bon résultat, je voulais préparer des bâtons, j'ai pas pu pour me défendre. C'est fâcheux. On n'arrête pas de subir des assauts et des assauts et des assauts. On passe plus de temps à se protéger, à se défendre qu'à avancer du coup dans cet épisode. Allez, déjà venez là. On a fait peur aux cochons, c'est déjà ça. Ok, il se l'applique tout seul. Ah, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, alors ce qu'on va faire. Je vais préparer de la pâte. Ok, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui était blessé par là-bas. Ok, il se l'applique. Parfait. Bon. Est-ce que ça, on peut le manger? On est en train d'assimiler petit à petit la nourriture, la viande. Et on se rend malade, parfait. Et on va boire un coup. Alors le cochon ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah voilà, on peut le découper. C'est pas ce qu'on intimide. Il y a quelque chose dans le coin. Non, ça c'est pourri. On va le lâcher. Ils sont malades. Arrêtez. Arrêtez de bouffer n'importe quoi. Oh, c'est pas vrai, il est encore là. Ok. Avec l'obsidienne, on a pu l'attaquer. C'est pas avec quoi je peux... le tuer. Ah, ça y est, enfin. On a tué le python. Quand même. Ouais. Nouvelle découverte, super. Ouais, ils sont contents là. Oh, ça c'est chouette.
Inspecter. Allez, lieu de récolte, carcasse de python. On va le découper aussi. On va voir ce qu'on peut récupérer avec. Saisir. On va inspecter. Ah, ça fait plaisir. On l'aura eu. Viande de vipère. Bon, on va goûter. Est-ce qu'on assimile ou pas? On a un neurone qui est actif en tout cas. Hein, le neurone, il aime ça. Voilà, on est encore tombé malade. Manger de main. Qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est encore le cochon qui vient. Pas vrai? Poser ma pierre, je vais aller boire un coup. Allez, venez boire. Faudrait que j'arrive à trouver quelque chose en dehors de l'eau qui puisse me protéger comme ça contre les intoxications alimentaires. Ok. Alors, il est où mon couteau? Là. Ah, mais toi. Donne-moi ton gourdin. On va terminer l'expédition, hein, parce que là, tout le monde dans l'eau. Ça devient limite du n'importe quoi. Allez, on s'allonge. On va faire un petit peu d'évolution. Et on a eu des nouvelles choses ici. Instinct de fuite. Défense groupée. Ça me paraît essentiel. C'est long, hein, ça demande de la puissance, hein, waouh. Ok, s'ils ont une arme, ils pourront se défendre, ça c'est bien. La tolérance aux attaques successives. Parfait. Là on a quoi? Moins d'objets pour terminer une construction, ça pour le moment je m'en fous. Immuniser contre les... Allez. Demander au clan d'altérer des objets, ça peut être bien. Et du coup on pourra fabriquer des lances beaucoup plus rapidement. Yes, ça y est. Ah, et on a autre chose, c'est quoi ici? Ok, l'intimidation du clan. Bon. Ça me paraît pas mal. Alors. Faites pareil que moi. Changer de main. Peut-être pareil maintenant. Ils veulent pas? Eh ben, on est tombé sur une bande de bras cassés, moi je vous le dis. Bon allez, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. On avance un petit peu quand même. On a réussi à défendre le village. Il y a encore un cochon qui traîne, on devrait pouvoir s'en occuper sans trop de soucis. On a réussi à tuer le python, à l'analyser, à analyser sa carcasse. On verra ce qui nous reste une fois qu'il sera complètement dépecé. Voilà, ça change un petit peu des épisodes d'exploration qu'on a eu avant. Là, c'était un épisode plutôt de défense et d'armement. On a avancé quand même au niveau des neurones, ça fait plaisir. Et on verra bien ce que nous réserve cette aventure par la suite et dans le prochain épisode. En tout cas, je vous donne rendez-vous. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous retrouve très rapidement. Je vous fais plein de bisous. Belle continuation à toutes et à tous. Bye bye.